Hello everybody, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo ce soir. J'allais dire c'est l'heure du lundi party, c'est pas ça. Voilà, on est le 4 juillet. C'est l'Independence Day. C'est le jour des vacances. Woo! Vous pouvez pas le voir, mais je suis en mode 100% America. Vous ne pouvez absolument pas du tout le voir, mais j'ai un short avec les États-Unis d'Amérique dessus. J'ai même les boucles d'oreilles Amérique, je suis à fond les ballons. Bref. Et du coup, vu que je suis en mode patata de la vie, même si on est en train de perdre le match de foot, je suis en mode hyper joyeuse. Je me suis dit, je vais vous tourner une vidéo parce que je veux vous partager de la joie. Je meurs de chaud, mais j'ai envie de vous partager de la joie. Donc, je vous fais, comme vous pouvez voir dans le titre en dessous, la palme du mois de juillet. Alors, certes, je suis un peu en retard par rapport au mois dernier, mais je suis en panne livresque. Donc, on peut excuser le petit retard de quelques jours que j'ai, mais on n'est même pas le 5. Donc, ça devrait le faire. Alors, donc. Contrairement au mois dernier, je n'ai pas de challenge 100% livre papier, donc il y a une bonne partie des couvertures que je vais vous montrer par mon téléphone, mais vous verrez bien les images, je pense, donc ça devrait pas trop être gênant. Et donc on va attaquer de suite. Alors je me suis pris 10 bouquins, sachant que je me répète, je suis en panne livresque actuellement, je n'ai absolument pas envie de lire. Donc il y a de très très fortes chances pour que certains, vous ne les voyez pas durant le mois, mais vous avez l'air d'avoir aimé la vidéo du mois dernier, alors je vous retourne ça. C'est parti, on va commencer par les livres sur le téléphone, ce sera peut-être le plus simple à manipuler pour moi. Alors, dans le désordre, le premier qui me vient, c'est un livre qui me donnait vachement envie en anglais, que je peux acheter parce que je me dis plus tard, j'ai jamais pris, et il est sorti en français. Donc il s'agit du tome 1 de la trilogie Thrill par Amanda Hawking, donc qui est échangé et édité chez Castlemore, et qui a une couverture, mais tellement magnifique, comment vous dire, elle est trop belle. Il donne trop envie de l'acheter. Et apparemment, il y a des démons. Donc, ça me donne envie de le lire. Voilà. Ensuite, tome suivant. Donc, on part sur du français. Un tome qu'il faut que je lise depuis un certain moment et que mon amie Jane a envie de me taper pour ça. Mais j'envisage de me lire le tome 5 de la série Rebecca Kyne, L'Armée des âmes par Cassandra O'Donnell, édité chez J'ai lu dans la collection Dark Light. Surtout que le 4 vous laisse sur une fin qui vous... et qui vous donne trop envie de lire le 5. Donc pourquoi j'ai pas lu le 5, je sais pas trop, à vrai dire. J'ai trop de bouquins à lire en fait. Mais je passe un bon moment à chaque fois en lisant du Rebecca Kyne. Donc peut-être que ça pourrait me dynamiser tout ça et me relancer dans les lectures. C'est probable. Voilà. Ensuite, e-book suivant. Je vous sors la book jar que vous m'avez choisi ce mois-ci. Il s'agit donc de romances historiques. Ça crie toujours à côté, c'est pas bon signe. Il s'agit du tome 2 de la série Noblesse oblige, le Marquis Mianu par Sally Mackenzie, édité chez Milady Romance dans la collection Pemberley. Oui, ça affiche bien les couvertures, c'est cool. Le 1 était un de mes tout premiers e-books, j'avais passé un super moment, j'avais bien rigolé. Donc pourquoi pas me faire le 2, surtout que c'est un couple différent, il n'y a pas besoin de se rappeler de l'univers. Donc je pense que je passerai un moment agréable avec. Ensuite, bouquin suivant, il s'agit d'une de mes deux lectures en cours, une de mes trois lectures en cours, vu que j'en attaque un ce soir. C'est donc un e-book en anglais, je vous en ai parlé lundi dans mon Hey Lundi Party. Donc il s'agit du tome 8.5 de la série Les Vampires de Chicago par Chloé Neal, donc édité en France chez Milady. Mais là il s'agit d'une novella et je ne sais pas du tout si elle va être traduite en français, à vrai dire. Et donc cette novella c'est Howling for You, donc de Chloé Neal, qui est sur Jeff et Fallon. Donc voilà la couverture VO, donc parce que je ne lis pas ça en français. Tu fais 70 pages, un truc comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, on a un e-book que je vais me faire en lecture commune avec mon amie Hélène de la chaîne Titelf. Donc il s'agit du tome 3 de la série Insaisissable, Ne m'abandonne pas par Tahir et ma fille, édité chez Michel Lafon. Voilà. Alors en fait, j'ai lu le tome 2 il y a pile un an. Parce que souvenir, j'avais lu ça dans le train du retour de la Japan Expo. Donc là en ce moment c'est la Japan Expo à Paris. Donc je suis à jour, à un an près, et j'ai envie de me le faire. Donc il faut que je me le fasse. Et donc là c'est une des lectures sûres que vous aurez ce mois-ci. Puisque Hélène, on a marre de m'attendre. Et puis en gros elle m'a dit, Virginie t'es gentille mais j'ai envie de le faire. Donc on va le faire. C'est pas une lecture désagréable donc il n'y a pas de souci, on va se le faire. Voilà, voilà, et je crois que c'est le... Ah mais non, c'est l'avant-dernier que j'ai à vous présenter. Donc, il s'agit de l'e-book dont je vous ai parlé, pareil, dans ma vidéo de lundi. Il s'agit du tome 3, la série Le Clan, Ultime Sacrifice par Melissa Darnell, édité chez Darkis. Ultime Sacrifice, avec une couverture qui est juste toute magnifique. J'adore cette série. Je peux être sûre que si celle-là, elle sort en poche, je me les achèterai. Surtout s'ils gardent les couvertures du grand format. Ah, vous voyez ce que je veux dire.
Je passe un moment de malade avec à chaque fois, je m'éclate. Et en plus, trop bonne nouvelle, je pensais que c'était le dernier tome, et en fait, je sais qu'il y a un 4 qui est sorti, peut-être même un 5 qui devrait paraître. Donc, je suis juste happy, trop happy, et il faut que je me le fasse. Et donc, le dernier de mes e-books que je vais vous montrer. Alors, celui-là, j'ai un doute. On m'a pas répondu pour me confirmer si c'est bien ce mois-ci qu'il y a la lecture en cours, parce que je rejoins un marathon de lecture en cours. En fait, mes copines ont fait les 5 premiers tomes de la série principale, plus les 2 spin-offs en lecture commune. Et donc, moi, je rejoins au 6 parce que c'est le tome auquel j'en suis. Donc, il s'agit du tome 6 de la série Chasseuse de la nuit par Janine Frost d'Outre-Tombe, édité chez Milady. Voilà, avec une couverture trop belle. Voilou, voilou. Je pense que là aussi, ça devrait le faire, puisque Cat & Bones fait partie de mon top 3 bitlit préféré. Mais je suis de plus en plus déçue par la série, surtout le 5 m'a vraiment refroidie. Alors en fait, ce que j'avais envie de me faire, c'était de me faire en marathon le tome 6 et le tome 7 d'affilée pour finir la série vu qu'elle est terminée. Et on verra bien si je suis toujours autant charmée par Bones ou pas, et par l'humour cinglant, pince sans rire de Cat. On verra bien. Oh purée, il est où mon éventail là? Je recommence à avoir chaud les gars. Oh les gens, vous allez. Franchement, mon éventail, vous allez le voir tout l'été. Ça va être mon meilleur ami, mais j'en ai trop besoin. Voilà. Donc, on va attaquer avec les romans papier. Donc, comme vous avez deviné, il y en a très très peu parce que j'en ai peu. Alors, le premier qui me vient en main, c'est un de mes achats récents. Donc, vous l'avez vu dans mon dernier IMM. Je vais me faire le dernier Gail Forman sorti en poche. Donc, Pour un jour avec toi, par Gail Forman, édité chez Pocket Jeunesse. Parce que c'est du Gail Forman, c'est une valensure pour moi. Je passe toujours un agréable moment avec, plein d'émotions. Donc, je vais me le faire et je suis impatiente de me plonger dedans. Voilà. Alors ensuite, vu que j'essaye de me faire un challenge, je suis désolée, j'entends des cris, ça me perturbe. Vu que j'essaye de me faire au moins 3 livres papier par mois, j'essaye. Je vais vous en sortir un autre. Et on va voir si je tiens le rythme. Je me suis choisi un livre que j'ai dans ma palle depuis. Pouf ! Je crois que maintenant ça va faire 2 ans que je l'ai. Donc je me suis pris le tome 1 de la série Caragillian, la marque du démon par Diana Rowland. C'est ça, édité chez Milady dans la collection Bitlit. C'est un truc avec des démons. Je me demande pourquoi c'est encore dans ma palle. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce qu'on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à un policier. Et vu que le policier n'est pas vraiment un style littéraire qui me charme, j'ai tendance à repousser cette lecture. Mais bon, tout le monde me dit que c'est bien, que ça devrait correspondre à mes standards. Enfin, y a une seule personne qui m'a fait peur et elle a bien réussi son boulot parce que j'ai toujours pas lu. Mais bon, il y a des démons, c'est de la Bitlit, ça devrait être très dynamique. Donc il faudrait que je me lance dedans. Hop là. Après. Alors, il s'agit du dernier livre que je me suis acheté récemment, mais que vous n'avez toujours pas vu. Donc je me suis pris le tome 2 de la série Lux par Jennifer L. Armentrout, Onyx, édité chez Entangleteen. Comme je vous ai dit lundi. Je sais plus quand est-ce que j'ai parlé de Obsidian, ou je crois que c'était lundi. Comme je vous ai dit lundi, la fin du 1 m'a trop donné envie de lire le 2. Donc je l'ai commandé directement après sur Amazon, je l'ai reçu. Et ce serait pas mal si je me faisais comme... Je vais me répéter, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo, que j'aimerais bien me faire un tome de Lux par mois. Comme ça j'arriverai au pile à temps pour la sortie de Origin. Je crois que c'est ça le nom du 5e tome. Voilà, donc... Il est là, il m'atteint, il a l'air plus fin que le 1, très légèrement plus fin, donc ça devrait le faire, il a l'air fun, on va se plonger dedans, hein. De toute façon, le 1 n'était pas dégueulasse, horrible à lire, donc ça devrait le faire aussi pour le 2. Voilà, et le dernier de cette vidéo, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de celui que je vais commencer ce soir, il s'agit... D'un des autres bitlit qui fait partie de mon top 3, je vais me faire le tome 1 de Felicity Hadcock, Les anges morts d'aussi par Sophie Jomain, édité chez Rebelle. Donc, vous vous doutez bien si je vous dis que ça fait partie de mes trilogies bitlit préférées que... Enfin, mon top 3 bitlit préférés, excusez-moi. Vous vous doutez bien que je l'ai déjà lu, j'avais adoré l'humour de Felicity. Je me remets dedans parce que justement, je me dis que peut-être ça va me sortir de ma panne livresque de me faire Felicity, vu que j'avais en plus en projet de me le refaire. Donc, en plus, je me le fais officieusement en lecture commune avec Sarah de la chaîne Sarah M. James. Il faut juste que je la prévienne parce qu'elle n'est pas au courant. Et aussi, un peu plus officiellement, je vais faire lecture commune avec Hélène de la chaîne Petite Elfe. Voilà, voilà.
Alors, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'est déjà pas mal et croyez-moi, je suis un peu en train de mourir. Mon milkshake matin et je vais l'adorer. Et je voulais vous demander aussi du coup, j'ai sélectionné une qualité supérieure sur mon appareil photo. Dites-moi si par la même occasion la netteté de l'image est meilleure ou si c'est toujours aussi fou, parce que quitte à ce que ça reste aussi fou, autant que je prenne une qualité inférieure et que la vidéo soit plus vite en ligne pour vous. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon 4 juillet et je vous dis à bientôt. Bonne lecture, ciao.